Heureux YouTube, heureux le stream. La suite de nos aventures incroyables sur PGA Tour 2K21. Nous avons encore deux événements à faire pour terminer la première année. Alors, première année que nous n'avions pas entamée ensemble, évidemment, vu que j'avais commencé le jeu dans votre dos, dans l'attente de pouvoir récupérer le PC pour streamer Record. Mais nous avons quand même terminé la première année ensemble et ensuite arrivé à la deuxième année, et ça ce sera pour les sessions à venir. On augmentera la difficulté de l'IA, tout ça, tout ça. Nous n'avons pas de défi de sponsor parce qu'il ne reste que deux événements, et je suppose que pour que les défis de sponsor proc, il faut avoir minimum trois événements devant soi à faire. Et les derniers défis de sponsor, on les a littéralement chiés. Mais c'est pas grave. Du coup... Eh bien, on va voir. Peut-être qu'on va se faire une grosse VOD où on va faire les deux events d'affilée. Je ne sais pas. J'en sais rien. On va regarder. Live. Today's coverage of the Trios Championship is about to kick off. Welcome to Atlantic Beach Country Club. I'm Luke Elvey alongside Rich Beeman. This opening hole. Ah, c'est peut-être juste parce que c'est les playoffs en fait, et c'est pour ça que ça compte pas. Just 385 yards. Opportunities abound to start off your round with a birdie. And saying that, you get a little careless, you make a bogey and you're really kicking yourself on such an easy opening hole. Bon, on peut jouer au jeu. Let's get back down to the coverage. Le jeu est beau quand même. Bon, il pourrait l'être encore plus. Après bon, c'est Oh, pas de vent. Incroyable. Ouh, mais ça veut dire que le parcours d'après, il y aura un vent de pute. Ouah, s'il n'y a pas de vent, ça peut aller très vite. Hein. Je crois que ce parcours-là, je ne l'ai jamais fait encore. Mais ouais, faut quand même garder en tête que c'est le même studio qui a fait les The Golf Club. Hein. Donc c'est pas un gros studio, c'est juste que ça a été produit par 2K. C'est HB Studios, je crois. Bon, alors, je vais rouler, ça c'est sûr. Ouais, et là je vais bumper à gauche. Pour ensuite espérer continuer mon chemin en allant à droite. Pas que je fasse mon pourcent de puissance supplémentaire. Là, c'est calculé comme ça. Il faut que ça soit comme ça. Et j'ai mis mon pourcent supplémentaire. Je me déteste. Et du coup, je vais atterrir un peu trop loin. Je vais... Ah si, ça bump à gauche. Et je roule pas assez. Parce que le pitch. Bon, c'est les playoffs. Hein. J'ai pas le droit à l'erreur. Sauf faut commencer à reprendre le. Ouh. Faut commencer à reprendre le mindset de vraiment vraiment bien jouer. Parce que si j'augmente la difficulté de l'IA et que je fais des scores genre à moins 5, la deuxième année risque d'être compliquée. Mais en vrai, je suis ultra chaud de faire genre tous les défis de sponsor et tout pour tout débloquer dans le jeu. Mais ça risque d'être long. Donc peut-être qu'on n'aura jamais le temps de le faire. Mais je vais essayer. De toute façon, le golf, c'est la hype. Ah, c'est bon, je récupère des beaux swings. On va être pile dans l'axe. Ouais, on va être pile dans l'axe, c'est cool. Alors, comment ça se passe? Putain, on n'a pas de vent et ça, c'est nickel. Ok. Donc j'ai le green qui descend légèrement en fait. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Je suis au fer neuf quand même, hein. Faut pas trop que je m'emballe sur le fait de réduire. Mais ça va rouler quand même. Ça va rouler et ça va décaler. Gee, there's some energy and action going on all around this property. Wonder what's happened. Oh, rapide. Du coup, je vais à gauche. Adieu. Bon, ça va bumper à droite. Oh, mais pourquoi j'ai fait ce rapide?
Ça m'a complètement saboté. Trop déterminé. Même il n'y a pas de vent, je suis trop hypé. Par contre, eux, ils vont faire des bons scores, hein, vu qu'il n'y a pas de vent. Hein. Putain, Eagle, Boogie, Boogie, Birdie, ça ne ressemble à rien. Au bout de 4 trous, ça ne ressemble à rien, c'est le chaos. Oh là là, et ça descend, je les déteste quand ça descend. Et ça décale à peine. Ah oui, mais j'ai une opposition là au départ. Eh, franchement, le parcours très cool. J'appréhende tellement le parcours d'après. Ah oh ouais, mais le par 3 de l'enfer. Ouh. Attends. Là ça monte, là ça descend, et là ça monte je suppose. Ouais. Ouais ça monte bien. Ok. Bon, je pense que le 220 est suffisant. Faut pas que je surestime trop. Mettre un tout petit peu plus. Bon, de toute façon, je vais rajouter le pourcent, donc ouais. Pas du tout assez fort. Je les surestime tellement. 14. Ça va tellement être nul. Oh là là, ouais. J'aurais dû réduire la puissance comme je le fais d'habitude. Tu deg. John, you're down there. What's happening? Just down here on the fourth hole, taking in a bit of. Ouais, par contre, si je commence à faire ça alors qu'il n'y a pas de vent. On va pouvoir s'attraper. Bon, on en est où? Bon, l'autre il a terminé, il a moins 3. L'autre il est au 4ème trou, il a moins 3. D'accord. Putain, mais enfin mes swings ressemblent à quelque chose quoi. On va dire que la partie d'avant, c'était la partie de chauffe. C'est vrai que généralement, je fais une petite partie au dépoté. Et je vais pas plus loin. Ok. Bon, on sait que ça va pas beaucoup rouler du coup. Hein. They're going with the pitching wedge. This one's going right at the pin here. Beautiful. He's already made a few birdies today, and this is another good look. Nice birdie, well played. And with that, he'll move to 3 under par. Our current leader is enjoying a one-shot lead. It's time to step on the tee here at the fifth.
Ok. Oh, il n'y a pas de vent à calculer, c'est trop bien. C'est plus, mais pour moi c'est plus genre l'échauffement pour la partie qui va suivre. On est plus dans cet esprit là. Pas assez fort. Pas assez fort. Oh, wonderful shot and a chance for birdie at the fifth. And this putt to move into a share of first. Nice one. Fourth birdie of the day. Bon allez. Two in a row. Il va aller vite sûr. Minus four for the round. Here we are at the sixth hole. J'ai pas envie de faire le tug non plus. Faut juste que je reste dans l'axe pour après. Rapide. Bon, rapide mais vite fait quoi. Ça va. On va être à peu près dans l'axe. Je voulais être un poil plus à droite. C'est pas grave. Time now for the fourth shot. Wow, from a dodgy lie ridge. How special was that? Step aside, gents. This man's marching into the top five. Okay, let's get back to the action. Ouh. Well, Rich, all the people that have made it into this second FedEx Cup playoff event have taken care of business. They've survived the first cut, but there's so much at stake this week, isn't there? You need to be in the top 30. Chercher, top 30 gets you into all four majors next year, gets you into the WGC events. I mean, this is massive. This is massive life-changing or potentially life-changing stuff because now you have opportunity to set your schedule. You know what you're going to play in, when you're going to play in, and all of a sudden your schedule is now where you want to be. It's revolving around the biggest tournaments in the game. You're not trying to play your way in. You're already in there. So it's a big week for those players trying to make it in the top 30. Now there's going to be some pretty anxious moments, especially from those that really aren't guaranteed. I think we can look at maybe the top 20, maybe 22 guys. Currently, allez, elle a trop bumpé vers la gauche, j'ai tellement perdu de speed, je suis dégoûté. They're having to play to get in the top 30. Now, there's going to be some anxious moments for those guys, but there's going to be a golden opportunity for those guys that are 70 through 60 because, listen, they've got nothing to lose. And listen, as we said about the tournament prior, give her a whirl. Don't hold back. Fire at everything you can. Il veut pas la fermer, Michel, là. Hit driver where you normally wouldn't hit driver. Faut que je me concentre. Whatever it takes, but you got to get it done. You can't play with fear. You got to play with obsession to get in that top. Mais la ferme. By my maths, that's 48 players for 8 spots. That's exciting. That's almost like a NASCAR race. Crash them, smash them, but you've got to get the job done. To take care of your business, what a great reward. I can promise you we're going to see some guys that are running on all four flats. They're going to be sputtering oil. They're going to be doing all that. Ils partent tout le temps, c'est horrible. But I got to say, it makes for great viewing. En plus, vous, ça va, vous avez le son du jeu qui est quand même amoindri, mais moi dans le casque, au secours. Après, j'aime bien avoir le bruit ambiant quand même. Ça me met. C'est immersif. Encore un par 5. Ouais, va falloir que je fasse gaffe où est-ce que j'atterris parce que. Je pense ça après. Rapide, et ça va à gauche. Bon, remarque, je gagne un peu de puissance normalement avec le rapide. Oh non. Va à gauche, va à gauche, va à gauche, va à gauche, va à gauche. Let's have a look at Bryson DeChambeau from earlier. I gotta say, his short game is one of the best in the game. Beamer, that was right out of your play. D'accord. A touch of wizardry. Indeed. Harry Potter-ish almost.
Second shot here on the seventh. Ouh, c'est audacieux ça. Ouh, que c'est audacieux ça. Ah oui, mais d'accord. J'avais pas vu ça comme ça. Je vais jouer sur le fait que ça va me ralentir la butte à droite là. Ça va me ralentir mais ça va m'emmener à gauche. Donc normalement... on sera à peu près bon. Rapide et du coup ça me décale à gauche mais putain. Ah oui. Eh oui, ça m'a décalé à gauche et j'ai pris de la puissance avec ce rapide. Aïe aïe aïe. Two big hits there, knocking it on this par 5 and 2. Oh, this is exciting, a putt for an eagle. It's up, it could be in. Well played. What an eagle. And that will take him to 7 under. Au secours. Bon, ça va, moins 7, en vrai, c'est propre. Et c'est là que j'ai pas de défi de sponsor, évidemment. Ouh là là. Ah, ça descend à peine. Il y a des fois ça monte, mais c'est surtout que ça descend. Donc on va miser là-dessus. Ah, par contre, je vais bumper vers la gauche. Pour atterrir là où je veux atterrir, ça va être compliqué. Going with the 6-iron here. Fingers crossed for a good kick to the left. Ah, pas assez fort. Attends, je pensais. Surestimer le roulement. Bah, le fer 6 et le fer 5, je les mets à peu près au même niveau. C'est vrai que c'était un peu mou. Oh, c'est Et je suis très timide en fait, j'ai tellement peur de faire des conneries que j'ose pas. Je pense que c'est un peu ma force justement, c'est d'être audacieux. Oh, on a fait qu'un seul par, hein. Sinon on est full birdie, plus le eagle. Faut pas que je fasse un long. This one about 130 yards out. Ouais, bon, on va jouer du fer 9, mais ah ouais, on pourrait presque le prendre en pitch, mais en vrai, le fer 9, si genre j'essaie d'atterrir, genre là. Il y a un monde où ça se passe bien. Rapide.
Je sais pas en quoi j'ai fait un rapide en fait, parce que j'ai fait comme d'hab sur mon joystick. Et ouais, t'as un plus de puissance du coup. Putain. Putain, c'est con, c'est plein d'opportunités de vous faire des coups de ouf. Je vois rien avec le 9. Ok. Je sais pas pourquoi je sens que je vais pas le mettre celui-là. Get excited. This could go in. Well, nicely done. Holds the putt for back to back. Et il se réveille. Two in a row there, Luke. Get their groove on. Aïe aïe aïe. Bah de toute façon, tous les pros c'est ça. Here we have a par 5. Il y a des phases où c'est mou. This hole is wide open. Tier high and let her fly. Ah ouais, mais en deux coups, je suis pas sûr de l'atteindre le green là. Je l'atteins jamais le green avec le deuxième coup. Ah non, il me faudrait encore quasi 300 yards. And let's take a look at this shot from just a moment ago. Well, this one certainly shaves a few shots off the scorecard. What about the long range effort? Oh. Solid putt that. Let's get back to it, shall we? Time for the second shot at the 10th. Ah ouais, et puis en plus il y a le ouais. Ouais ouais ouais. Bon ben ça va être comme ça alors. Rapide. Bon, c'est pas dramatique. Nicely done. And here we are with the third shot. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça va légèrement rebondir et ça va légèrement rouler. Rien de bien foufou normalement. Décalé, t'as le décalage que j'ai mis à la fin était en trop. Dommage. On aurait pu refaire un eagle. Terrible. Ouais, je l'ai un peu vrillé celui-là. Hein. Coming off a hat-trick of birdies. That's great momentum. Ouh. Ah oui, donc c'est comme tout à l'heure. Aïe aïe aïe. Putain, c'est chill, y a pas de vent. Hein. C'est vraiment maintenant qu'il faudrait que je vous fasse des trucs de dingue. Non, parce que la partie d'après, ça va être horrible. C'est le dernier tournoi. Je le sais, ça va être catastrophique. Opting for the 9-iron. Oh, this one should find the surface. Good shot, this. Yikes! That was close. Oh, that's a great shot and a birdie opportunity coming up here at the 11th. J'étais sûr qu'il y avait un problème de puissance. Je vais pas m'avancer jusqu'à dire que je savais que c'était trop fort. J'avais un doute que ça ne soit pas assez, justement. Lovely momentum for this player after that birdie at the last hole. Keep it rolling. Je vais être bien ralenti. Hein.
looks to have opted for the 8 iron. Non, trop en cloche, trop ralenti. Putain, j'aurais dû regarder la trajectoire de la balle. Wonderful shot and a birdie opportunity coming up at the 12th. Absolutely, in there close. Good look at birdie coming up. J'ai cru qu'elle rentrait pas. Mais j'ai tellement de traction dès que je putte, c'est abusé. Ça y est, ça commence. Je vous rappelle que nous sommes sur PS5. Avec un SSD haute performance. D'ailleurs, en parlant PS5, je m'y suis fait à la manette quand même. J'ai un peu plus le joystick. Enfin, je contrôle un peu plus ce que je fais avec ce joystick. C'est une bonne nouvelle. Et on est à combien là? Moins 12? Ouais, moins 12 pour 12 trous. Perfect. Ah. C'est un bunker là ou c'est un chemin? Non, parce qu'en vrai, il y a un monde. Il y a un monde où je fais un bump magique et je tombe sur le chemin. Vas-y, on le tente. On le tente. Ouf, heureusement, j'avais jamais vu l'arbre. Heureusement, je passe à travers. Non, c'est tellement trop loin. C'est tellement trop loin. Quelle idée de merde. Quelle idée de merde. Je voyais pas ça aussi loin. C'est bon, pas de panique. Ouh, ça c'est un pitch qui va rouler, non? Un petit peu, oui. Game with the 9-iron, I think. Oh, ouais, ça roule carrément même. 13 feet to the hole. Short game has been absolutely fantastic today. Décale. Steady now. And they'll walk away with a par on this one. And after that hole, this is how the leaderboard looks. And this is quality play, still on top of the leaderboard. Let's see what happens here at the 14th. C'est vrai que la tolérance de mon driver, elle est fine. Hein. Quand je compare à d'autres clubs que j'ai. John, what's going on out there? Game with the 5 iron here. Mais qu'est-ce qu'il a branlé? That's a little wayward. This player needs a little help from Bob Ross on this shot. No draw whatsoever. Mais pourquoi? Time for the second shot. Pourquoi on a le droit à ça en replay? Parce que dans ce cas-là, vous mettez un replay toute ma partie et c'est bon. Bon. Alors là, comment est la trajectoire? Ah, elle est un peu en... Elle est en cloche, hein. Ouais, ça décale à peine. J'ai même limite plus aller à droite à cause du bump que... Bon, on va taper tout droit.
Well, this one's right at the pin. Wonderfully played. This putt coming up is for birdie. And with that hole behind us, let's have a look at the contenders and the pretenders. Bon, score honorable quand même. Managing to maintain their position on the leaderboard. We have a par 3 on this one. Oui. Going with the 7. Ah oui, j'ai mis 101% de, 101% pourcent de puissance. Je suis pas tombé là où je voulais. Trop fort. Wow, what a shot. This one for back-to-back birdies. Trop fort. Well, that's some handy golf. What a time to make back-to-back birdies. The nice feeling it must be to have that. Putain, et j'étais calibré à 98 ou 99% et il m'a rajouté 2% de puissance. Let's have a look at c'est abusé. A chance now from the oh là là, mais deuxième partie là qu'on miss le all-in-one à un poil de cul quoi. Oh, right at it from out of the bunker. Handy out of the bunker there. Our current leader is up by a whopping 7 shots. Oh là là, je suis deg. On peut avoir le trophée. Folks, hang on to your hats. This is going to be a wild and woolly finish. Just a few holes to play. Let's see how you handle the 16th hole. Tough tee shot here. Bunkers left, water right. Ah oui, bah j'ai vrillé mon tir, j'ai fait un rapide. Attends, je me tiens pas droit. Taking aim from about 170 yards. Oh, ça va rouler ça. Je crois pas trop. Oh là là, c'était pile poil ça la puissance. J'ai misé justement sur le fait que ça allait aller à gauche, mais je pense, je savais pas trop à quel point. C'est ça que j'ai pris un peu large. Oh là là, mais cette partie de fou. T'as le God Mode activé pour les playoffs. C'est chiant. Sinon, je peux mettre un micro effet, mais je vais perdre en puissance. De toute façon, là, si j'arrive sur le green, c'est un scandale. Hein. Rapide. Bon, Pierre ne va pas sur le green, mec. Ouais, c'est bien. Voilà. C'est bien. No harm, no foul there with that shot. Second shot here on the 17th hole. Oh putain, j'ai 1000% en plus. J'ai 1000% en plus. Oh, this will be good for the momentum. Let's make this birdie putt. Well, you're going to be hard to catch now if you keep making putts like that. Aïe aïe aïe. Bon, on va enchaîner direct après avec l'autre parcours. Ça va être la violence, mais on va le faire. And now this player tees off their final hole of the event with the lead. Thank you.
Bon, est-ce que vous me pardonnez si je mets un albatros après? C'est improbable, c'est trop loin. C'est juste beaucoup trop loin. Déjà, il faudrait que je sois bien placé. Et ça me semble mal barré. Ah, bien que. J'ai rien dit. Oh ouais, non, mais va calculer ça. Va calculer ça, au secours. En plus, ici, ça descend. D'accord. Et après, ça monte. Ok. Bah, c'est un peu le même scénario que tout à l'heure, sauf que là, je vais prendre de la vitesse si j'atterris ici, précisément, vu que ça descend. Attendez, faut que je le tire droit, celui-là. Attends, je me mets droit. Je m'investis. Par contre, je vais atterrir trop loin. Ouais, ouais. Beaucoup trop loin. Oh là là, il manquait juste un tout petit peu de puissance. Bon. Dans tous les cas, ça serait jamais rentré. Oh là là, dégoûté. Non mais cette partie de fou, en vrai, on a loupé tellement de choses dingues. Terrific shot, almost an eagle. And ladies and gentlemen, he's done it. That putt seals the win. Allez, moins 17. Once again this week, filling it up. Well, that's worth reviewing. Let's roll the video tape. Putain, j'aurais pu faire un moins 18. Ça aurait été propre. Je considère de toute façon que vraiment, si j'arrive à moins 18, c'est que là, j'ai vraiment, je commence à vraiment faire une bonne game. Au-delà, c'est plus rare quand même. Faut être déter pour faire plus quand même. Player outshine their fellow competitors because all of these players are really good. But this player made everybody in the field look very, very average. So good was their performance. Well, that just about concludes our coverage. On behalf of Rich Beem, I'm Luke Helvey. Thanks for tuning in. We'll see you tomorrow. Voilà, on a fait un score de ouf. Voilà. J'ai eu son béret, super. Allez, on va se faire la dernière partie de la saison. Terrible. Bon, toujours pas de contrat. Je vais regarder un au pif. Non. Allez. Ça ne va pas être facile à commenter, Mister Pilot 01. Il va falloir que je sois au top de mes performances. Pourquoi j'ai lu ça? Aïe, aïe, aïe. Ça va être chaud. Je le sens. Est-ce que vous le sentez là? Petite odeur de pisse là. Petite odeur de pisse dans mon froc là. In association with the PGA Tour, is proud to bring you the final stop of the FedEx Cup playoffs. Today's coverage of the Tour Championship is about to start. I'm Luke Elvey, proud to be alongside 2002 PGA winner Rich Beem. What's this opening hole like? Yes, a converted par 5 into a par 4. Oh, they moved it up significantly, just playing over 440 yards this par 4, straight back up the hill, and a pretty straightforward tee shot. So it actually kind of lulls you into a little bit of a uncomfortable feeling as straight as it is. There is danger out to the left. Allez, 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 c'est bon, je veux jouer là. Trees, hairy, rough. You just can't miss it right and expect to je veux jouer. You must hit it in the fairway or even in the left-hand side rough to give yourself any chance of finding this green.
Green tilts from back to front, two deep bunkers front right. Oh, petit vent là. Tranquille. You're making fives and sixes quite easily. Tranquille, tranquille. Every single player is going to be happy to walk out of here with a four. Big day coming up. Can't wait to see how it unfolds. Après, on l'aurait fait les, on l'aurait prédéfini en mode, on fait plusieurs tours par event. Justement, le vent aurait pu varier d'un jour à l'autre. Et là, ça aurait été très très. Et là, ça aurait pu être vraiment très difficile. It is not second shot plays straight back up the hill, a green that tilts from back to front, two bunkers on the opening of this green, right and left, pose all sorts of problems. Ouais, effectivement. Sinon, je mets un effet. Sinon, je mets un effet du cul pour compenser. Bon, y a un micro vent, mais en vrai. Bon, j'ai mis trop de puissance. Ça, c'était un acquis. Oh, le bump vénère. Putain, c'était tellement une bonne idée. Ah, il fallait être un peu plus agressif sur le bord du green. Vous imaginez si ça rentre. Le pire, c'est que voilà, je vous avais montré en replay quand on avait commencé cette série de VOD. Je vous avais montré le replay. Alors malheureusement, vous voyez mal parce que la caméra, elle est un peu merdique sur le système de replay. Mais ce délire de parer, de faire un effet pour contourner un arbre et de faire un putain de roulement sur le green pour... pour arriver eh bien dans le trou. Et le pire, c'est que c'était une partie où genre j'étais en mode, je tirais un coup, je regardais mon téléphone, je checkais des trucs, des chaussures et tout. Pourquoi je suis en moins 4? Pourquoi je suis en moins 4? C'est mon avantage par rapport au point? Pourquoi je suis en moins 4? Mais ouais, enfin vraiment, ce truc là, c'était vraiment juste surabusé. Ouais, je pourrais partir dans le même esprit, le problème c'est que j'ai pas assez de range. Donc on va faire ça, mais avec l'hybride. On n'est pas trop gâté, hein. Ouais, ça va être violent quand même, hein. Ça va être violent. Ou alors je le fais en atterrissant là, en me disant que ça va quand même un peu avancer par là. C'est chaud. De toute façon, ça grimpe après. Ah non, remarque, tout ici, ça descend. C'est un peu tendu, hein. Essayer de l'agresser un peu plus. C'est tellement tendu ce que je suis en train de faire. Oh putain. Oh, je le vois vriller son swing là. Oh, ça me fait peur. Ah mais il y a le vent aussi qui va me pousser légèrement. On réduit. On redécale. Ah, mais il y a le vent qui s'est réveillé. Ce salaud. Le vent qui est très bas. Hein. J'ai pas envie de le chier. Oh putain. Oh putain. Je l'ai littéralement chié. On a atterri pile là où il fallait pas. Par contre, ils m'ont mis à moins 4 d'office. C'est un bug?
Ça doit être à cause des points que j'ai accumulés. Oh. Oh là là, mais pile à l'endroit qu'il fallait pas. Mais ça, c'est le vent. Le vent qui m'a complètement saboté. Alors là, par contre, si le vent fait un effet, je me la coupe. Allez, restons focus. J'ai vraiment pas envie de le merder. Mais j'ai eu, en fait, ils m'ont donné moins 3. C'est bon. Ça aurait été lent, ça aurait été chiant, mais c'est bon. Bonne nouvelle. Second shot here on the third. Eh ouais, mais le vent. Qu'est-ce qu'on en pense du vent? C'est en cloche. Ok. Donc on en pense que le vent va me freiner un peu. Et du coup, légèrement me décaler. Oh putain, le mouvement lourd. Ça m'a jamais freiné. Ça ne m'a jamais freiné. Be nice to see this one go down. Let's see if they make it. And down it goes. Currently 5 under for the event. It's time to begin this powerful hole. Bon, ça commence bien. Mais what the fuck, quoi, moins 5. This one looks to be heading down the runway. Putain, je suis lucky ce soir là-dessus. Hein. Taking aim from about 180 yards here. Ah. Bon, ben c'est reparti pour les emmerdes. Bon, on va mettre un effet de ouf. Il faut surtout pas que je tombe dans le corner là à gauche. Opting for the hybrid, I think. Ouais. Je pensais qu'elle allait quand même un peu plus attaquer à gauche. Dommage. La puissance, c'était pas mal. Hein.
Pas que je réfléchisse trop. This is a good chance. J'ai pas cru. Je l'ai vu partir au début, je me suis Mais ça passe. Ah, le fameux bug. Ça revient. Ouh. Allez, allez, allez. Je veux jouer. Alors ce qui est bien avec le fait que la manette de la PS5 soit blanche, c'est qu'on voit direct quand elle est pourrie. Là, par contre les grips derrière ils marquent un peu là. C'est un peu dégueulasse. Mais c'est même pas de la crasse, c'est la... Il y a des marques d'usure. Déjà. Terrible. And this effort by Kevin Kisner. Well, you're on the dance floor, but a long way from the DJ. Let's just cozy this close to the hole. Nice putt to make that one. Give yourselves a pat on the back. That's a good way to move into the top 10. Mais il n'y a pas le, fameux punch de victoire de, Tiger Woods. The lead is getting bigger and bigger. Beautiful swing there. Bon, de toute façon, je suis ralenti un peu. Petit vent de face qui me déplaît pas forcément en vrai, parce que pour l'approche qu'on va devoir se taper là. Ouais, c'est micro vent de face. Ah, c'est dommage. J'aurais bien voulu être à un poil plus proche. Cela le faire neuf. Je suis pas fan. Ouais, c'est bien allongé quand même. Rapide. Je me déteste. Bon, de toute façon, c'était pas assez fort. Le vent. Gotta say, putting this well from this distance is a huge confidence booster. Allez. Il faut l'encourager en fait le jeu pour que ça tourne correctement. Dans le bunker, cinquième coup pour le par 5. Oh là. Mais c'est triste quand même de faire un coup aussi ouf juste pour sauver son par quoi. Bah c'est fort mais The sixth hole at East Lake Rich. One to get after. You don't need to be long off the tee, Luke. It's only 525 yards, but the second shot plays straight back up the hill, so a little length helps. Lovely rapide. Voilà, oh, non, ça sort là. Là, ça sort par contre. Ah, bien que le bump, yes. Sitting at 7 under par for the day. Currently leading. Oh bah là ma tolérance du driver, au secours. Oh bah là j'ai pas le droit à un swing de merde. On est vraiment sur l'irréprochable ou de l'irréprochable. Mais je n'ai pas assez de range. Oh, ça va bumper en mode random.
Jamais ça passe. Hein. Ah, ou la faire plus coulante. Ouais, non, mais c'est nul. Jamais ça passe. Bon. Écoutez. On vit qu'une fois. Le bois 3, il me proposait quoi sinon? Enfin, c'est pas mieux en fait. C'est pas mieux en fait. Oh, rapide, 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 je me déteste. Sitting at 7 under, currently in the lead. Bon, en même temps, on tente des trucs audacieux. Hein. Coming up to the cup. Looks good off the blade. Mark it down. That's birdie number five. Bon. With that, we'll move to ça reste propre. Awesome play. C'est pas exceptionnel, mais c'est propre. In first position. Teeing off here at the seventh. Pensez que je me le bouffe l'arbre? Non. Hein. Rapide. Oh, aïe. Non, c'est bon. Ah. Très bien. Let's have a look at Kevin Kisner. Sitting at 2 under par, currently tied for 7th position. And choosing the 8 iron here. A wonderful shot here at the 7th and sets up another birdie chance. Coming off a string of 4 birdies. Non mais, ça va être que ça en fait. On va se faire que des coups de ouf, vriller. Quel enfer. Oh mais l'enfer. Parce que ça va donner ça. Looks to be going with the five iron. This one is heading to a really not so good space. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Alors c'est soit à cause du vent, soit parce que j'ai fait ma petite queue de poisson.
looking for the fade, but finding the straight shot. Not good. Rapide. Oh, a little sigh of relief. Happy to be putting again. 7 feet to the cup. That's half a chance of being holed, this one. Nicely holed. And for par. Leading by 3 strokes now. And now teeing off on this par 4 hole. And after a par at the last, chance to maybe take a step in the right direction here. Putain, je refais mes queues de poisson. From around 170 yards here. Oui, ça descend. Ça descend bien même. Ça va largement suffire. Ça sera peut-être même trop. To have chosen the 7-iron. Quoi? Quoi? Pourquoi ça me décale à ce point-là? Pourquoi ça m'a décalé à ce point-là? Le vent? C'est le vent qui vient de me faire ça, là? Well, that'll work. Up on the dance floor. Could have been worse. What? This one's for birdie. Non, c'est un bug, c'est pas possible. After that, we've reached the ninth hole. Time to tee off. Ouf, le pire endroit. Le pire endroit. Uh-oh, we're starting to hear roars from another part of the course. Ouais. Eh ben écoutez, ça va être un bump de face. Et on va croiser les doigts. Et j'ai même envie de vous dire. Non. Ouais, on va croiser les doigts parce que là vraiment, je sais pas ce qu'on peut faire d'autre. Oh le vent, oh le vent. Ça y est, le vent se réveille. Opting for the 3-wood. Unbelievable. Le all-in-one, c'est bon. Le all-in-one. Le all-in-one. Well, that's certainly worth another look. Let's have a walk down memory lane. Mais what? Au bois 3. Je le sauvegarde. Mais what? La caméra. Ah, je veux changer la caméra. Je tiens à noter que j'ai atterri pile à l'endroit que je voulais atterrir. Et on a quand même envisagé la possibilité que ça bump légèrement à gauche pour rouler à droite. Je l'ai pas dit aussi explicitement, mais je l'ai pensé très fort.
after that effort. Let's take a look at how it stands. And Rich, we're heading into the back nine now, but I'm still thinking about that ace on the front. Le All-in-One, on l'a fait. Unreal. I gotta say, to watch that ball go into the hole was awesome. This player is still flying high. On l'a fait. Ah, puis c'est pas dans la demi-mesure, quoi. Non, mais les petits all-in-one de merde, c'est pas pour moi. Hein. Par contre, on a combien? On est à une heure? Ok. Faut que je le montre à ma femme après. Il est incroyable. Solid one de bâtard. Tant pis, je suis dissident, je roule ma clope. Oh, ma femme, elle l'a vu. Ma femme l'a vu. Bon, en même temps, j'ai gueulé. Ah, mais il est incroyable. Putain, à plus de 200 yards au bois 3 avec un bump de merde. Ah, mais terrible. C'est terrible ce qui vient de se passer. Incroyable. C'est all-in-one du schnapps total. This tournament's coming alive. I wonder what just went down. Il fallait clipper. Il fallait le clipper. J'ai pas pensé. Il fallait clipper pour Twitch. Has got this thing dialed in here, looking good. Bon, je m'en doutais qu'elle allait s'arrêter, mais je pensais pas qu'elle serait autant freinée. Of all the shots that I like the most, that one ranks right up there. Ah, on aurait dû le clipper pour Twitch. Ah, c'est incroyable. I gotta say, I'm glad we got another look. That is in there close. Right on 4 feet. Should make this one. Their short game today has been absolutely sublime, fun to watch. Ah, ça y est, le God Mode est activé. Seven birdies today. No movement up or down on the leaderboard for this player. Ah, le all-in-one, quoi. En plus, il me donne 3 points d'avance. C'est un peu cheaté, quand même. Hein. Ma femme, elle est dégoûtée, je suis sûr. Du coup, elle va être trop saucée, elle va être là la prochaine fois. Ouais, je veux jouer au golf et tout. On va faire une partie de merde comme la dernière fois. Alors là, c'est pareil. Alors là, si je mets all-in-one comme ça, c'est un scandale. Attendez, je suis chaud là. Faut juste pas que je tombe en dehors du green. Faut que je fasse un coup parfait. Je vais être poussé par le vent. Bon, à peine. Rapide. Ah bah voilà. J'ai fait la connerie qu'il fallait pas faire. Mais en même temps, celui-là, c'est pas la première fois qu'on l'a. Et il est vraiment pas évident. C'est un plan cul, là. C'est un sacré plan cul. Vas-y, prends ton temps. Voilà. Rapide. Rapide. Yeah, good bunker shot there. Nothing left for the par. It's just about 3 feet away.
And the putt drops, and they're moving on. Leading by a whopping 7 shots after that one. Quel gros Kekos. Time to make a move. The tee is yours here at the 12th hole. Il me chatouille le nez. Yeah, this is a quality looking shot, this one. That should find the short stuff. The excitement. It's starting, you can hear it. There's been action aplenty all over this course. Why don't we head back to the 13th for this great shot? Oh, je suis refait. Shot from Patrick Cantlay. Tout ce tryhard, ça paye. Nicely hold. Playing from 110 yards out. Attends, mais hey, il va rebondir, il va rouler un peu celui-là. Hein. Going with the 8 iron here. Ouf, pas du tout assez fort. Pas du tout assez fort. Ah ouais, d'accord, mais tel. Je le surestime tellement. 12 feet to the cup coming up. This one's dialed in. And that's 8 birdies today. Putain, all in one, on gère nos putts. Terrible. Our current leader is enjoying an 8 stroke advantage. We've arrived at a par 4. Ah, quel finish de saison quoi. This one's looking good off the tee. That should find the short stuff. Let's recap the action from just some moments ago. Ah, je suis refait. I can watch shots like this all day, every day. Non mais lol. Le mec, il se permet de rebondir 3 fois avant de tomber dedans, quoi. And they're playing from about 140 yards out. Oula. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je sais pas pourquoi, dans ma tête, je suis en train de regarder l'icône devant et pas du tout. Pas du tout. Je crois pas trop à ton histoire là, Michel. Opting for the 9-iron. Oh, j'ai fait ma queue de poisson, ça m'a totalement vrillé. Oh là là, ça m'a complètement vrillé. Putain, je me sentais inspiré avec ce replay là, Locke qui rebondissait dedans. Oh là là, par contre ce putt là, comment vous dire. C'était sûr. And this one is for his par. Wow. Ouh. Job done. Let's head to the next. Currently 13 under for the day. Incroyable. All right, getting into our final stretch. Time to tee off here at the 14th. Not a bad line, this one.
D'accord. C'est un drame donc. Luke, that did not end up where you said it was going to. It's in the rough. Ouh. Ouh. Ouais. Eh ben c'est bien la merde. Bon, eh ben les plans cul. Épisode 2. Ah, j'ai une tolérance de merde, faut que je le chie. Rapide. Rapide. Rapide et le scénario se répète. That's a shame. Had a chance to hit the green but couldn't quite get there. Distance control nearly impossible coming out of this rough. Rapide. Ouais. What a shot. Almost went in the bucket. Bon, en vrai, on sauve les meubles. Hein. On sauve les meubles, mais. Oula! Je suis bien redescendu sur Terre depuis que j'ai fait mon all-in-one. Hein. Ça a changé la chaîne Mister Bullet 01. Bon, ah oui, alors là, le vent, ça y est, il s'est réveillé un peu. Je tombe. Ouais, d'accord. Bon, on va espérer que le vent proc. Hein. J'ai fait ma queue de poisson. Et le vent ne fait jamais effet. Je putain, mais jeu de merde. That's not what they're looking for. Oh, a little Shorty Baker on that action there. Eh, on va faire ses coups en boucle jusqu'à la fin. Petit coup en explosion du bunker là. Ah putain, faut que je me mouche. Attendez, je reviens. T'es deg, hein. Mon all-in-one. Non, mais en vrai. Pas ce all-in-one de bâtard. Tu l'as vu, vraiment? Ouais, parce que j'avais vraiment putain de bump de face. J'étais au bois 3, genre à plus de 200 yards. Et genre le micro-bump que j'ai pile poil visé pour que ça décale à gauche et que ça roule à droite. Il était trop ouf. Terrible. Bon allez. Oh, rapide encore, mais je me déteste. Mais on va faire le même à chaque fois.
Je devrais limite anticiper que dans ces cas-là, je fais tout le temps des rapides. Et donc, du coup, j'anticipe moins vers la gauche. This is quality play, still on top of the leaderboard. Three holes remaining. This is what it's all about. Time to see who is going to get it done. Ah, il y a eu du relâchement. Hein. Oh, mais quel finish quand même. Oh, great swing there. Et ça y est, je refais ma queue de poisson de merde qui me vrille tous mes tirs. This tournament, and that's Exhibit A. Wow, was that a massive drive there? Holy cow! Well, let's catch up with this play just a moment ago. One of the stars of the game, Bryson DeChambeau. Oh, that's the shot. Go ahead and make one. Don't worry about getting it up and down. T'as fini en score neutre, quoi. Quelle vie de merde. Let's get back to the action. Well, there's been some FedEx Cup champions won and lost around this part of the course. This is the site of probably one of the greatest finishes in FedEx Championship history. The winner holing his second shot here to claim victory. Ouais. Je pense pas que le vent va autant me freiner. On voit qu'il est là le vent par rapport au drapeau, hein, mais je trouvais ça étrange quand même qu'il me freine à ce point-là. Bon, je suis au fer 5, hein. Donc même si, justement, c'est le risque, c'est que je suis au fer 5, donc s'il me freine pas le vent, c'est la merde. Ouais, il m'a freiné, ouais, il m'a pas du tout assez freiné. Oh là là. And this putt is for birdie 3 on the scorecard. One to hole. Looks like a pretty straightforward five-footer to me. Ouh. Yeah, nothing to sweat over that one. We'll hold. Putain, on finit en mode chaotique. Putain, c'est dommage en vrai. Two holes to go, Luke. Bon, on est à moins 13 en vrai, c'est un beau score. And as we get to the penultimate hole at East Lake Ridge, what does it require? The tee has been moved back some 60 yards over the last couple of years, putting a premium on finding the fairway. Those bunkers down the left-hand side are menacing, to say the least. Oh, well done. This shot is about 140 yards out. Au secours. Quel enfer. On sait que le vent n'agit quasiment pas. Par contre, il risque de me freiner. Ça, par contre, on s'y attend un peu. Game with the 9-9, I think. Putain, j'ai mis 90%. Ouah, et là, le vent me décale. Non, mais ça n'a aucun sens. Et là, le vent me décale. Wonderful shot here at the 17th and a chance for birdie. Just 4 feet remaining between him and the hole. Fair effort, that. Good birdie. Allez, plus qu'un trou. The leader is currently enjoying an 8-shot advantage. T'as quelle session? After a recent switch of the nines here at East Lake, the finishing hole's gone from a tough par 3 to a really gettable 5. Go ahead and take out the driver and enjoy this tee shot. It might be difficult, but if you hit it in the fairway, you'll definitely be able to go for it in two. Si. Ouh, allez, toboggan. Oui. Well, that's a handy shot.
Oh là là. Et là, l'albatros. Oh, si je fais l'albatros, ça putain de foutage de gueule. Non, ça peut pas passer. Ouais, le pire, en fait, le problème, c'est qu'il y a l'ombre. Je pense que ça bump un peu vers la droite. Mais je n'ai aucun moyen de prévoir ce qui se passe après. Rapide, parfait, c'est bon. Ouais, mais trop fort. J'ai rajouté. Putain, mais. Oh. L'albatros! L'albatros! Well, that's showcasing their power there, Rich. Using the big boy muscles to get it home in two there. On était pile dedans. A good moment. A putt to win the tournament. Je suis littéralement passé au-dessus. Ah là, si je mettais l'albatros. Mais quel game! Putain. Ouh. Je croyais tellement que j'allais me faire porter par la descente. Allez, c'est bon. Ah, si je mettais l'albatros, ça aurait été tellement incroyable. Vous m'avez vu espérer là. I mean, what a sense of relief on the player's face right there, and it just has to be an amazing. Terrible. Well, on behalf of myself, Rich Beam, and all the hard-working folks at HB Studios, thanks for tuning in, and we'll see you next time. C'est incroyable. Putain, on est à deux doigts de l'albatros. Ah là, j'aurais vraiment pété les plombs si j'avais mis l'albatros. Eh ben c'est bon, on a terminé la saison là. Yes. Vaincre les meilleurs golfeurs du monde et remporter le FedEx Cup, c'est fantastique. Cette année est exceptionnelle et c'est un résultat qui m'emplit de confiance pour la saison prochaine. Et c'est pour ça qu'on montera le niveau Ligue 1. Ouais, normal, normal. Ouais, ça on laisse à 1. Ok. Et le niveau de l'IA, on va le mettre en 100%. Ah, son niveau de l'IA, par exemple. Ouais, tout ça, on va laisser. Ouais, difficulté du vent, moyen. Ouais. C'est ouf. Et nous arrêtons là pour cette session sur PGA Tour 2K21. Quelle session incroyable pour terminer cette saison. Incroyable, et nous avons mis notre all-in-one avant la fin de la première saison, et ça c'est cool. Donc, peut-être d'autres all-in-one à venir, et peut-être des albatros aussi, et ça ce serait vraiment fantastique. Des bisous YouTube, et à très bientôt du coup pour de prochaines sessions du plaisir sur ce jeu de golf. Parce que le golf c'est la vie, et c'est la hype. Des bisous et portez-vous bien.